Les petits loups, c'est toujours Mad Dog. On est toujours en direct du meeting Hollywood Asian and Multicar. En direct du parking du super Carrefour Market à Froyenne. Donc n'hésitez pas, hein, il y a encore de la place. Il fait pas trop mauvais. Honnêtement, il pleut pas, il fait bon. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses. Donc en direct de Froyenne sur le parking du Carrefour Market. Honda, hein. Voilà, ça aussi ça reste des must au niveau des préparations. Encore pratiquement dans son jus, si ce n'est que pour les connaisseurs, quelques petites modifications. Ici aussi, magnifique type R. Ça, c'est des voitures qu'on aime franchement voir modifiées. Magnifique. Propre, soigné, sans plus, mais ça fait son taf. Ouais, j'ai vu, ouais. Moi, j'allais laisser comme ça. Je fais plus rien. C'est vrai, il y a pas de quoi, franchement,
C'est ce que j'allais dire, c'est propre, c'est soft et c'est efficace. C'est ma deuxième. Pas, ouais. pas besoin de plus. Elle est belle, hein. C'est ma deuxième. Tu t'en penses? Franchement, elle est belle. Ouais. Franchement, elle est top. D'ailleurs, vous reconnaîtrez, hein, pour les gens qui me suivent, la bande des petits canailloux, comme moi je les appelle. Ça, c'est mes petites crapules, hein, moi, je les adore. T'as vu Papy déjà? Oui, je l'ai vu. C'est gentil à toi. Tu t'es trompé avec moi. Il était même étonné que j'y fasse en interview. Voilà, ça c'est la deuxième BM. Oui. Pour les gens qui me suivent, vous la connaissez. C'est un modèle qu'on n'a plus trop à présenter pour les gens qui ont l'habitude de me suivre sur ma chaîne YouTube, mais qui reste quand même un projet de gros malade. Voilà, ça c'est des projets de déjantés, de gros malades comme je les appelle, mais qui font toujours plaisir à regarder. Et lui, ben, c'est aussi encore ma petite crapule, hein, aussi. Hein. Un gars que, pour tous ceux que vous me connaissez et qui me suivez, ben vous reconnaîtrez. Sa titine, elle a toujours pas changé, elle est toujours pareille, toujours aussi belle. Hein, ma petite crapule? Ah ouais. Ton gamin? Yeah. Ah, tu veux faire coucou aux internautes? Tu vas te passer en célébrité. Voilà, ici aussi encore un projet assez atypique que j'ai remarqué quand il est arrivé à l'entrée, basé aussi encore sur une Golf. L'intérieur est magnifique, j'avais pas vu l'intérieur. Je sais pas si c'est le propriétaire qui est là. Excuse me, is you propriétaire? No? Excusez-moi, il y a le propriétaire de la Golf ici? Non, il est juste parti en route pour le, au WC. Ah mince! Parce qu'en fait l'intérieur est tellement beau que j'aurais voulu filmer l'intérieur en fait. Ouvert ? Ben je ne veux pas toucher, c'est pas mon véhicule donc. Ouvert. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, encore un beau petit projet atypique basé sur le châssis d'une Golf. Qui apparemment, d'après monsieur, va être modifié encore. Ouais. D'accord. Cet hiver, elle va être modifiée complètement. D'accord. Ben, on aura hâte de voir le nouveau projet. Les jantes, c'est moi qui l'ai fait. Ok. C'est moi qui l'ai fait, les jantes. En peinture. En peinture complète, le bord et tout. J'ai tout poncé le bord, j'ai poli le bord complet. C'est moi d'accord. Qui l'ai fait. Parce que d'origine, elles n'étaient pas du tout comme ça. Non, elles étaient bien abîmées, les jantes. Et je l'ai fait comme d'hab. Ben, beau travail. Même les jantes à la Kia, c'est moi qui l'ai fait aussi. Je suis occupé avec les jantes la Ford. Une année prochaine, elle va sortir complète autrement. D'accord, ben, hâte de voir ça.
Ok, super, ben rendez-vous l'année prochaine. Voilà, les auditeurs, vous avez entendu, hein. On prend monsieur au mot, rendez-vous l'année prochaine. Et tout le monde est le bienvenu, même les camions. Ici, un magnifique, magnifique projet basé sur une Renault. Une couleur qui est vraiment superbe. Avec, je vais essayer de vous le montrer à la caméra, je ne sais pas si ça va passer. On va peut-être essayer de voir en filmant sur différents angles. En fait, voilà, ça se voit un tout petit peu. En fait, il y a comme un relief 3D. Voilà, là on le voit bien. Avec une magnifique peinture hérissée caméléon, c'est vraiment du plus bel effet. Encore un projet sur une Golf, comme quoi la Golf reste est démodable. Oh, regardez qui c'est qui est là, la famille du MTT. Ouais. C'est quoi, famille? Salut. Bonjour madame. Bon bah lui, vous avez plus besoin de qu'on vous le présente, hein, gros nounours. Mon petit bébé à moi, que vous connaissez déjà et qui va encore évoluer au fur et à mesure du temps. Magnifique Celica. Que vous avez déjà vu aussi dans de nombreux meetings pour les gens qui me suivent. Encore un magnifique projet sur une Honda. Et là, ben, on arrive sur le projet de mon ami que vous avez déjà pu voir lorsque j'étais parti pour faire le tournage avec Hugo Pro, qui malheureusement n'a pas eu lieu. Mais rassurez-vous, pour les gens qui me suivent, mes followers, le projet n'est que reporté. J'ai eu contact dernièrement avec la secrétaire d'Hugo Pro. Ça va se refaire. Donc pour ceux qui l'ont connu, ben voilà, il y a des petites innovations. Voilà. Et ça donne vraiment du plus bel effet. Petite dédicace à Paul Walker. Voilà. Et dites-vous que ce véhicule, il n'y en a que quelques-uns dans le monde. C'est vraiment une édition très limité. Ici, on va partir sur un projet qui est vraiment, quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, franchement c'est top.
C'est un projet qui a été fait sur une Porsche, messieurs dames, et qui est franchement du plus bel effet. Pétasse 2.0, j'adore la plaque. Elle est vraiment magnifique. C'est sobre, c'est soigné, mais c'est efficace. Et franchement, comme j'ai pas souvent l'habitude de le dire de manière crue, il fallait avoir les bien placés pour oser. Et franchement, voilà, le résultat, il est là, il est bien. Vous êtes la propriétaire? Ben voilà. Bebop aux followers. Donc, n'oubliez pas les petits loups, on est en direct de Froyen pour l'Asian and Multicar, en direct du parking du supermarché de Carrefour. Il y a encore beaucoup de place, vous pouvez venir encore nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à nous rejoindre, il fait bon, il pleut pas. Ici, j'espère qu'à la caméra ça va bien passer. Magnifique petite nuance. Là, c'est chouette, ça donne bien en plus. Ça casse un peu le blanc et en plus ça donne un effet un peu marbré au noir. C'est vraiment du plus bel effet, avec une belle vitre teintée bleue. Ça, c'est le genre de projet pour les gens qui, comme moi, sont fans de tuning et adorent la série NFS, donc Need for Speed, où on pouvait un peu rappelez-vous les premiers Need for Speed, un peu modifier les voitures aussi avec des vitres teintées bleues, etc. C'était assez chouette. De nombreux stunts hein, pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches. La mythique Blue Dragon que j'ai déjà présentée dans de nombreux meetings. Voilà, donc les gens qui ont l'habitude de suivre, ben, vous la reconnaîtrez. Je pense qu'il y a eu encore quelques petites innovations, si je ne m'abuse. Je ne me rappelais pas qu'elle était comme ça la dernière fois. Ici encore un super magnifique beau projet. Et quand on dit claquer au sol, ben, je pense qu'on ne peut pas faire plus claquer au sol que ça. Un intérieur carrément avec la pompe à bière et l'ancien téléphone. Voilà. Encore aussi un projet assez atypique, bien soigné, qu'on aime voir. Vraiment superbe. Un beau petit projet assez particulier. Tout le monde.
Oh, la Cassienne, c'est un truc de fou. Si vous aviez notre titre, les gars, c'est soigné direct. Ben voilà les petits guillous, pour le moment c'est à peu près tout ce qu'il y a actuellement sur le parking, mais n'hésitez pas, venez nombreux et nombreuses. Donc on est en direct du meeting Hollywood Asian and Multicar à Froyenne sur le parking du Meta Carrefour. Donc n'hésitez pas, voilà, venez nous rejoindre nombreux et nombreuses.